Bonjour à tous, c'est Mastercraft Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un piège à enclume. Donc c'est très simple. Pour cela il vous faut donc une brique de pierre ou n'importe quel bloc, un distributeur, de la redstone, une torche de redstone, un piston, donc collant ou pas c'est pareil, une enclume et une plaque de détection, donc n'importe laquelle. Donc vous allez placer votre distributeur comme ça. Ensuite, vous allez faire tout le tour du distributeur avec le bloc choisi. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous allez vous retrouver comme ça, vous allez placer votre plaque de détection juste devant. Donc après, ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, une fois que ça vous donne ça, vous allez monter vos briques. Enfin, pour moi, c'est des briques, mais vous faites... voilà. Avec le bloc choisi, vous allez monter jusqu'à la hauteur que vous voulez. Donc moi, je vais pas monter plus haut. Ne montez pas trop haut non plus, sinon l'enclume va mettre trop de temps à descendre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez creuser trois trous. Voilà, vous allez creuser trois derrière et creuser de deux blocs de profondeur juste en dessous. Vous voyez, juste en dessous du distributeur. Là, donc juste en dessous. Une fois que vous avez fait ça, donc attendez, excusez-moi, je vais reboucher. Voilà. Alors donc ça vous donne ça, vous allez placer votre torche de redstone comme ça. Et la redstone, vous allez la placer comme ceci. Voilà, comme ça. Donc après, il faut que ça sorte d'un cube. Vous allez placer votre cube et une torche de redstone. Non, là, elle s'éteint. Après, vous allez remettre un cube, remettre une torche, remettre un cube, remettre une torche. Et ça, tout le long du tuto, pour l'instant. Jusqu'à arriver à la hauteur que vous avez fait. Voilà, donc c'est très énervant, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de hauteur. Parce que ça, c'est vraiment long, c'est énervant. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Voilà, voilà, excusez-moi. Voilà, voilà, etc., etc. Hein. Ah ben voilà, on est arrivé. Donc après, il faut que votre torche soit allumée. Parce que vous voyez, depuis le début, ça fait éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Et là, vous voyez, là, la torche est éteinte. Donc je dois rajouter un bloc pour que la torche soit allumée. Voilà, donc après, du coup, je vais rajouter des blocs là, tac, tac, tac. Ensuite, vous allez faire comme ça. Vous voyez là aussi, c'est la même hauteur. Voilà, donc après, il faut qu'elle soit allumée, parce qu'il faut que la redstone fonctionne. Pour faire justement fonctionner le piston qui va se normalement comme ça. Voilà. Pour faire fonctionner le piston. Parce que regardez, si la torche est éteinte, ça ne fait pas fonctionner la redstone et du coup ne fait pas fonctionner le piston. Donc après, une fois que vous avez fait ça, le tuto est terminé. Mais pour que. Voilà, donc voilà. Bien sûr, il faut pas que votre ami ou quoi le voie. Parce que sinon, votre piège tombe à l'eau. Et donc vous pouvez le cacher en faisant un mur de chaque côté et un mur comme ça pour pas qu'il voie la redstone. Donc après vous dites que c'est pour la déco ou changer de pierre parce que vous dites que c'est la déco tout ça. Et après une fois que vous avez fait ça là, donc après vous placez vous placez l'enclume ici sur le piston en fait. Et en fait en allant sur la plaque de pression, ça va désactiver la redstone et qui va désactiver le piston et qui va faire tomber l'enclume. Donc là, vous pouvez écrire par exemple, je vais tout supprimer, voilà. Par exemple, vous écrivez diamant si vous le faites en ligne ou distributeur de diamant. Voilà, dit. Distributeur. De diamant. Donc marquez ça en ligne, donc les gens comme des imbéciles vont y aller. Voilà, terminé. Distributeur de diamants, ça fait que les gens vont venir comme ça, vont attendre les diamants et l'enclume va leur tomber sur la tête et donc va soit les tuer, ça leur faire perdre beaucoup de vie. Donc voilà, donc je vais vous remontrer une dernière fois
Ce tuto est assez rigolo entre amis, hein, donc voilà, il va venir. Faites-le en survie, parce que là, vous voyez, ça sert à rien sur mode créatif, voilà. L'enclume va lui tomber sur la tête, et donc va le tuer. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao tout le monde.